Bon, alors là, on est en train de me passer des questions, donc on va répondre. Alors, on va répondre ce qu'on sait. Alors, l'argent. Oh là là, l'argent. Mais l'argent, c'est un truc terrible, l'argent. L'argent est un... C'est pas un symbole, je dirais bien un symbole, mais bon. Mais en même temps, le troc, voilà, on a mis l'argent à la place du troc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, le surdoué, l'argent... Mais je crois que j'ai déjà fait cette vidéo. Alors, peut-être qu'on a évolué. Le surdoué, en tout cas, a pris un peu de temps. De temps dans les gueules. Et ben, alors, bon, alors, le surdoué, là, non, soyons sérieux. Le surdoué, l'argent. L'argent est un moyen, c'est un symbole. Enfin, je veux dire, l'argent est classé dans les symboles de sécurité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sécurise la personne, bien évidemment. Mais vous voyez des surdoués, surtout les HPE, ceux qui sont dans l'émotion comme ça, qui vous disent, il y avait quelqu'un chez moi le week-end dernier, qui dit, non, Raymond, mais moi, je n'aime pas l'argent, je déteste l'argent. Mais il faudrait peut-être quand même affiner votre discours. Bien sûr que le surdoué aime l'argent. Bien évidemment que le surdoué aime l'argent. Vous avez tous dit, comme moi d'ailleurs, on rêverait d'avoir, tiens, en Normandie, un hélicoptère, comme ça, je ne suis pas mélangée avec les autres, j'ai mon pilote, c'est pas de la possession, hein. C'est pour pas que ce soit le pilote de tout le monde, qu'on soit mélangé dans la foule, qu'on soit avec les autres, dont le regard des autres nous dérange. Donc évidemment qu'on aime l'argent. Mais c'est quoi ce tabou de dire « Ah non, j'aime pas l'argent ». Non, moi non plus, j'aime pas aller travailler pour gagner de l'argent. Mais enfin, on peut créer des choses et peut-être gagner de l'argent. On n'arrivera jamais à se payer un bateau pour soi tout seul, un avion pour soi tout seul. Donc si vous voulez, on peut acheter un... envoyez vos dons et on nous achètera un hélicoptère pour nous tout seuls. On pourra monter à deux ou trois dedans, mais enfin, il faut arrêter de délirer avec cet argent. Le surdoué, bien sûr que le surdoué aime l'argent. Alors l'HPI assume complètement son côté j'aime l'argent, parce que le surdoué HPI, n'ayant été beaucoup moins sécurisé par l'amour, hein, parce qu'il y a deux choses qui rassurent, qui sécurisent l'être humain, c'est l'amour et l'argent. L'amour ou l'argent, quand on a les deux, alors c'est le maximum. Donc l'argent, ça sert quand même aussi à faire plaisir. L'argent, bon, je vais pas cacher que ça sert aussi à manger. Je vais pas cacher que ça sert aussi peut-être à acheter de la laine pour tricoter un pull si on n'a pas les moyens de s'acheter le pull. Donc faut arrêter de diaboliser l'argent. Vous les surdoués, c'est du n'importe quoi. Non, je suis pas d'accord. Oui, ça m'encolère. Ouais, ça m'encolère parce que je sais que le surdoué, il voudrait faire une croisière tout seul, partir en bateau avec un ami qu'ils ont choisi, des amis qu'ils ont choisi parce qu'il aimerait. J'aimerais avoir une belle maison. Ah, la maison et le surdoué. La maison et le surdoué. La maison est symbole de famille. Hein. C'est normal que le surdoué, qui est très famille et qui aime ce qui est familier, ait besoin d'une maison. Donc, pour tous ces motifs, le HPI assure parfaitement bien de gagner des millions. Voilà. Et le HPE, le HPI, quand il gagne de l'argent, il s'en vante parce qu'il est fier. Et le HPE, il a honte. Il faut arrêter de délirer. Hein. C'est du délirium total. Parce que vous, le HPE, si vous avez de l'argent... Ça ne vous dérangerait pas, il y en a certains, il faut arrêter de dire n'importe quoi, ça me met très en colère cette histoire d'argent. Donc le HPI assume l'argent qu'il gagne, le HPE soi-disant déteste l'argent, mais c'est pas vrai du tout, donc il faut arrêter de mentir, voilà, c'est un gros mensonge. C'est méchant de ma part d'accuser, je n'accuse pas, je ramène les faits. Voilà, donc le HP a besoin d'argent parce que c'est une grosse sécurité pour lui. Il a beaucoup plus besoin d'argent, d'ailleurs, quand il n'a pas d'amour. Donc, je vous souhaite beaucoup d'amour. Ça vous évitera de courir après l'argent. Voilà, je vous embrasse et à tout de suite.